in fact what we hear a lot of is people buying and holding if you, if you go on to the twitter universe you'll see a phrase hodl which means hold on for dear life nice and the, the thinking is is that they buy it and hold it in fact i, I mentioned in opening remarks my 30-year-old niece who bought bitcoin years ago and she's an HODL. She says, I'm going to own it. I don't know what's going to come of it, but I want to hang on to it. And She's, she's not a fraudster or a manipulator. She's just a kid and, and, and believes in it. And know, I was fascinated talking to her. And I think she represents a lot of folks that think that there's something in this. I want to hold on to it. Bonjour à tous, c'est Twintix. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du HODL. Dans ma vidéo du 6 février, Je vous avais parlé que le gouvernement américain était très positif à l'égard du Bitcoin et justement, dans cette même euh, discussion que le CFTC a eue au sujet de la régulation des crypto-monnaies, Christopher Giancarlo a dit le mot hurdle. Pour lui, euh, ça signifiait euh, pour, ses, pour sa nièce euh, de, de maintenir ses positions, peu importe les mouvements, parce que la valeur du Bitcoin... Euh, euh, elle voyait quelque chose dans ça, puis ça, ça servait à rien de, de l'acheter et le revendre, comme les gens pensent. Et en fait, je voulais parler du hodl, le terme hodl. D'où ça vient C'est quand même assez important de savoir les origines de ce terme. En fait, hodl, un hodler, c'est quelqu'un comme vous et moi qui avons maintenu nos positions durant ce crash. Durant ce dernier crash de décembre, janvier, février 2018. Et, euh, et c'est ça, donc huddle, c'est de maintenir ses positions, d'attendre, d'attendre en fait, c'est de rien faire. Et ce terme existait en 2013. Il a été premièrement utilisé par GameCube, qui a fait une faute de frappe dans son titre. Au lieu de dire I am holding, il a dit I am holding. Et ça, c'est très drôle parce que la réaction du forum, le forum dont je vous parle, c'est Bitcoin Talk. D'ailleurs, Bitcoin Talk, euh, c'est un forum très important. Si vous voulez en savoir plus sur les crypto-monnaies, c'est là euh, l'origine de toutes euh, les, euh, les ICO. Les ICO, c'est là qu'ils qu trouvent euh, les équipes, c'est là qu'ils qu offrent les, euh, les airdrops, c'est là qu'ils offrent des, des paiements si vous voulez faire des traductions pour euh, leur projet. Donc, je vous inviterai à aller sur Bitcoin Talk, euh, le forum de Bitcoin. C'est très important d'y aller. Euh, c'est très important pour, pour les investisseurs en crypto-monnaie, si vous voulez vous intéresser plus, si vous voulez creuser, si vous voulez rencontrer des personnes qui connaissent le marché. Et voilà. Et c'est dans ce même forum, le 18 décembre 2013, que le hodling a été initié par Gamecube un peu maladroitement. Il était en train de, de boire avec sa copine dans un bar et ce jour-là, Bitcoin était en train de crasher. Évidemment, c'était le début, euh, c'était une journée rouge, la journée où il a fait ce, cette publication. Euh, le Bitcoin avait baissé de 15 à 20%, il avait baissé de à peu près 890 à 700 dollars. Et il s'est dit... Um, « Bitcoin is crashing, pourquoi je maintiens mes positions ?» Mais pourquoi Eh bien, il va nous dire pourquoi. C'est un mauvais trader. Il le sait. Il sait que si vous lui dites, par exemple, euh, si vous, vous nous dites que vous êtes un bon trader, si vous savez lire le marché, si vous savez acheter bas et vendre haut tout le temps, sans faire d'erreur, c'est libre à vous, c'est bien pour vous, tant mieux mais personnellement moi je préfère maintenir mes positions, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans le marché, je n'y connais absolument rien. Donc ce que je vais faire c'est acheter euh, vendre, euh, non, euh, acheter et maintenir ma position, ne pas vendre et ceux qui disent que euh, ceux qui paniquent etc, euh, tant pis pour vous, faites ce que vous voulez. Et tout ça, cette, ce, je vais mettre ça dans la, le message dans la description si vous savez lire l'anglais. Euh, vous allez regarder les réactions des gens. Regardez ça. Regardez ça. Le post a été fait à 10h03 et déjà à 10h05. C'est parti, 10h06, 10h06. Et regardez, le premier mime est déjà sorti 10 minutes plus tard. 11 minutes plus tard, le premier meme avec 300, cette image que vous pouvez voir dans, mon, dans ma miniature, de ma vidéo. I am hodling. C'est incroyable. Ce forum était vraiment génial. D'ailleurs, cette publication a atteint 32 pages, mais elle a été bloquée maintenant. Elle a été fermée, donc on ne peut plus commenter. Mais euh, c'est ça. Donc, cette, vraiment, cette philosophie-là, elle a été euh, beaucoup beaucoup euh, pratiqué depuis le début de Bitcoin donc ces gens-là ces gens-là évidemment en 2013 qui ont maintenu jusqu'à aujourd'hui euh, croyez-moi c'est eux qui ont, le plus, qui ont le plus de Bitcoin en ce moment mais regardez regardez après sa publication regardez l'année de malade 2014 était une année vraiment sombre dans le Bitcoin c'était vraiment difficile si vous pensez que c'est difficile de hodler, durant ces derniers mois, dans 2018, ces deux derniers mois, ces trois derniers mois, imaginez un marché qui baisse durant toute l'année 2014. Il faudra attendre, je crois, 2015 avant de voir le marché se réveiller un tout petit peu. Regardez, regardez comment le Huddle était difficile à ce moment-là. On parle d'années, on ne parle même pas de mois, hein. mais... Il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a beaucoup qui l'ont fait, et maintenant ils sont en train, ils ont vécu cette montée de malade jusqu'à 2017 qui a été incroyable. Regardez. Regardez. Le Hodol a été inventé, a été initié ici, et voilà. Donc la morale de l'histoire c'est si vous connaissez rien au marché,

Donc, euh, donc ça va être tous les gens, donc je voulais juste vous parler de, cette, euh, de ce concept, parce que c'est important en fait de, de savoir que, euh, que ça existe depuis très longtemps, il y en a beaucoup qui, qui maintiennent leur position, vous n'êtes pas les seuls, vous n'êtes pas les seuls, je sais que c'est difficile dans ce marché de, de juste garder ces bitcoins, garder ces crypto-monnaies et ne pas les vendre, même quand le marché crash, même, même quand c'est difficile, mais... C'est ça le but du jeu, le long terme est toujours payant dans ce marché. Euh, là, je, sais, je sais que les histoires ne se répètent pas tout le temps, mais euh, personnellement, je ne vois pas en quoi, en quoi euh, pratiquer le rodo ne va pas être payant cette fois-ci. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'était une touche beaucoup plus, euh, beaucoup plus légère dans cette vidéo euh, pour vous expliquer euh, d'où ça vient. J'espère que vous a plu quand même. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit j'aime et à me rejoindre sur Twitter, Mr20X. Ça fait toujours plaisir de voir des gens sur Twitter. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça, ça vient. Un, un abonné par jour, c'est excellent. Donc, euh, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.